Bonjour les fans de tricot, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous retrouve pour qu'on tricote ensemble un cocon naissance ou chaussette d'emmaillotage si vous préférez. Moi j'appelle ça cocon d'emmaillotage, comme ça fait un mix des deux. Voici donc le premier que j'ai fait, que j'ai créé et que nous allons faire ensemble. On est sur une bonne longueur, en plus on peut déplier le haut, donc voilà. Nous allons tout de suite voir ensemble comment le réaliser. Ce modèle peut se réaliser aussi bien sur aiguille droite que sur aiguille circulaire. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec certains points de tricot, comme les chouettes en torsade ou les côtes 1-1, vous pouvez choisir de le faire dans d'autres points de tricot. Le point mousse, le point jersey. Après, c'est mieux de démarrer par quelques côtes en haut, histoire d'avoir un côté resserré en haut. Mais vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas de souci. Si jamais vous le faites sur aiguille droite, il faudra faire une couture à l'arrière. Que si vous le faites sur aiguille circulaire comme moi, vous pouvez le faire sans couture de haut en bas. Voilà. Vous allez commencer par monter 86 mailles. 86. Nous allons commencer par faire des côtes 1-1 et nous allons travailler en cercle fermé. Pour les personnes qui n'ont jamais fait de cercle fermé, je vais tout de suite vous rappeler. Hop, pardon, je vais tout de suite vous montrer comment faire pour les personnes qui n'en ont jamais fait. Donc, je prends un petit marqueur de maille ici que je positionnerai pour marquer le début et la fin de mon rang. Hop. Je commence par tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et ainsi de suite, une maille à l'endroit, une maille à l'envers car je suis en côte 1-1. Et ce, jusqu'à la fin du rang. Et je vous montrerai au rang suivant comment fermer votre cercle de manière à faire du sans couture. Alors, je viens donc de finir un rang. Je vais maintenant vous montrer comment on ferme le tricot de manière à pouvoir tricoter en fait en cercle fermé. Je vais ici faire passer mon câble entre deux mailles. Je mets quelques mailles ici sur l'aiguille. Je viens plier mon câble comme ceci et en fait je fais passer. Je tire de cette façon pour qu'en fait les mailles de l'autre bout aillent sur l'autre aiguille, comme ceci. D'accord? Ici, je vais tout de suite venir placer mon marqueur de maille afin de me souvenir du début de mon rang. Voilà, le début de mon rang, il sera situé après le marqueur de maille ou si vous préférez, la fin du rang est juste avant le marqueur de maille. Pour le premier rang qui va fermer le cercle, je ne vais pas tricoter la première maille. Je vais la faire glisser. Sachant que je suis en côte 1-1, si je l'avais tricotée, je l'aurais tricotée à l'endroit. Ah, avant de la faire glisser, je vais faire une petite chose. Je vais mettre le fil de ce côté-là. Ensuite, je fais glisser la maille. Donc si j'avais tricoté cette maille, je l'aurais tricotée à l'endroit car je suis en côte 1-1. La maille d'après donc se tricote à l'envers. Donc je la tricote à l'envers. Voilà. Et je reprends une maille à l'endroit. Une à l'envers. À l'endroit. À l'envers. Et ainsi de suite. Voilà. Et en fait, à chaque fois, en cercle fermé, ben, je tournerai, je tournerai. La fin du rang se situe juste avant le marqueur. Le début du rang suivant se situe juste après. Faites attention, surtout dans les premiers rangs, à bien faire en sorte que vos mailles soient toutes bien dans le même sens. Parce que s'il y en a qui twistent, après, ça peut créer un twist au niveau du tricot. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. En tous les cas, faites attention à bien maintenir vos mailles dans le même sens à ce que votre tricot il aille vers le bas comme ceci et les mailles sont vers le haut. De cette façon.
Nous allons faire des côtes 1-1 pendant 10 cm et on se retrouve juste après quand on aura atteint les 10 cm. Petite précision, il n'y a que pour le premier rang de fermeture que j'ai fait glisser la première maille. Sur les autres rangs, je la tricoterai. Alors voilà, j'ai atteint mes 10 cm de hauteur totale. Maintenant, je vais venir en fait répartir des mailles en droit et des mailles en vert pour attaquer les chouettes. Vous savez, les chouettes torsadées qu'on a dans le motif, d'accord? Donc je vais d'abord venir délimiter les endroits de mes chouettes. Personnellement, je vais prendre des petits marqueurs de mailles que je vais disposer de manière régulière parce que je trouve que ça aide bien à se repérer et vous comprendrez, je pense, pourquoi. Je vais commencer par tricoter 2 mailles à l'envers. Je prends un premier marqueur et je le positionne. Puis ensuite, je fais 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je positionne un nouveau marqueur. Je fais ensuite 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Et je positionne un nouveau marqueur. Vous l'aurez donc compris, à chaque fois qu'on passe de maille envers à maille en droit, on met un marqueur entre deux. Et à chaque fois qu'on passe de maille en droit à maille envers, on met un marqueur entre deux. Moi, je trouve que ça aide à se repérer. Je vais faire ça régulièrement, c'est-à-dire que je vais faire 8 mailles à l'endroit et je positionnerai un marqueur. Puis 4 mailles à l'envers et je positionnerai un marqueur tout le long du rang. Alors, j'ai placé mes marqueurs sur tout le tour pour savoir donc où je fais des mailles en droit et où je fais des mailles en vert. Je vais suivre donc les mailles en vert et les mailles en droit. Hein. Là où c'est des mailles en vert, j'ai tricoté à l'envers. Là où c'est des mailles en droit, j'ai tricoté à l'endroit. Et je vais faire ça pendant 3 rangs. Je vais faire ça pendant 3 rangs. Et on se retrouve après ça. Alors, j'ai donc tricoté le nombre de rangs que je devais tricoter. Et maintenant, nous allons attaquer les croisements de mailles pour les petites chouettes sur notre cocon naissance. Pour ça, moi, je vais me munir d'une aiguille à torsade. Voilà. Alors, je constate que je commence par 2 mailles à l'envers. Donc, je les tricote à l'envers. Il faut savoir que les croisements de mailles vont se faire uniquement, je fais glisser mon marqueur. Les croisements de mailles vont se faire uniquement sur les mailles en droit. Sur les mailles en vert, on ne fait pas de croisement de mailles, d'accord? Ce n'est vraiment pas très compliqué, vous allez le constater. J'arrive donc au début de mes mailles en droit. Je vais prélever 2 mailles, comme ceci, que je fais simplement glisser sur mon aiguille à torsade et que je place sur le devant, d'accord? Je tricote ensuite. Ah, attendez, j'ai mon petit marqueur. Voilà. Je tricote ensuite 2 mailles. Une et deux. Je prends ensuite mon aiguille à torsade sur laquelle il y a donc 2 mailles en attente. Et je vais venir tricoter ces 2 mailles en attente à l'endroit. Hop. Une. Et 2. Dès que j'ai tricoté ces 2 mailles, je remets à nouveau 2 mailles sur l'aiguille à torsade, mais cette fois-ci je les placerai à l'arrière, d'accord? Donc je viens les faire glisser et je les mets à l'arrière de mon tricot et je tricote à nouveau, hop, 2 mailles à l'endroit avant de reprendre les 2 mailles que j'ai laissées en attente sur l'aiguille
à torsade. Une et deux. Voilà. Et ces croisements de mailles, vous allez les faire à chaque fois que vous arrivez sur vos 8 mailles à l'endroit. Donc là, je fais glisser mon marqueur. Tac. Ah, attendez, mon marqueur, là, je l'ai mal mis. Voilà. Je fais glisser mon marqueur. Je tricote 4 mailles à l'envers. Je glisse encore le marqueur. Je vois que j'arrive sur des mailles à l'endroit. Et ben, je vais refaire exactement les mêmes croisements de mailles que ceux que je vous ai montrés là. Et je vais faire ça à chaque fois que j'arrive sur mes mailles à l'endroit. Je vais faire ça pour tout le tour et on se retrouve juste après. Alors, j'ai donc fait mes croisements de mailles sur tout le tour de mon rang. Hein, voilà, j'ai bien croisé des mailles partout sur tout le tour. Maintenant, je vais tricoter mes mailles normalement. C'est-à-dire là où il y a des mailles envers, je les tricote à l'envers. Là où il y a des mailles en droit, je les tricote à l'endroit pendant 5 rangs. Alors, j'ai tricoté le nombre de rangs que je devais tricoter et maintenant je vais refaire les mêmes croisements que j'ai fait précédemment. Je vais vous les remontrer. Donc, je commence en tricotant mes deux mailles à l'envers. Comme toujours, les croisements se feront uniquement sur les mailles à l'endroit. On commence par prendre deux mailles qu'on positionne sur le devant. On en tricote deux mailles à l'endroit, puis les deux de l'aiguille à torsade également, on les tricote à l'endroit, hop là, voilà. On met ensuite à nouveau deux mailles sur l'aiguille à torsade. Cette fois-ci à l'arrière, on tricote deux mailles à l'endroit. Voilà. On va à nouveau reprendre les deux mailles de l'aiguille à torsade et on les tricote à l'endroit. Voilà. Et en fait, ça, c'est les croisements qu'on fait donc sur les mailles en droit à chaque fois. Voilà. On tricote nos mailles à l'envers. Puis sur toutes les mailles en droit, toutes les mailles à tricoter à l'endroit, on fait ces croisements de mailles. Et on fait ça pour tout le tour. J'ai donc fait les croisements sur tout le tour de mon tricot. Maintenant, je vais tricoter 9 rangs sans faire de croisement. Donc, je tricote mes mailles à l'envers et mes mailles à l'endroit hein, pendant 9 rangs, mais je ne fais pas de croisement. Donc, 9 rangs, on tricote nos mailles à l'envers, nos mailles à l'endroit, mais on ne fait pas de croisement et on se retrouve après ça. Alors, j'ai donc fait mes 9 rangs tricotés normalement et maintenant je vais refaire les mêmes croisements de mailles, hein, toujours les mêmes. Je vais vous les remontrer rapidement. Hop, donc je commence par mes deux mailles à l'envers parce que, comme je le répète, les croisements se font uniquement sur les mailles tricotées à l'endroit. Je fais glisser deux mailles, je les mets devant. Je tricote deux mailles à l'endroit. Je reprends les deux mailles de mon aiguille à torsade. Tac. Je les tricote à l'endroit. Puis, je vais tout de suite reprendre deux mailles sur mon aiguille à torsade. Alors, cette fois-ci, je les mets derrière. Tac. Attendez. Hop, voilà.
Je les mets derrière. Je tricote les deux mailles suivantes. Tac. Puis les deux mailles de mon aiguille à torsade. Hop là. Hop. Tac. Et je ferai ces croisements de mailles sur toutes les mailles à l'endroit. Les mailles à l'envers, entre deux, les quatre mailles à l'envers, je ne fais pas ces croisements. Je fais ça pour tout le tour et on se retrouve juste après. Alors, j'ai donc fait mes croisements de mailles sur tout le tour. Je vais maintenant tricoter normalement sans faire aucun croisement de mailles pendant deux rangs sans croisement où je tricote les mailles à l'envers et les mailles à l'endroit selon comme elles se présentent. Alors maintenant, je vais me mettre à tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Je vais passer en jersey entièrement. J'enlèverai du coup mes petits marqueurs de mailles au fur et à mesure, mais voilà, je vais passer en maille complètement à l'endroit, tout en jersey. Je vais faire du jersey comme ça jusqu'à ce que j'ai atteint une hauteur totale de tricot, hein, bordure comprise jusqu'en haut, de 40 cm, d'accord? Donc on tricote entièrement en jersey jusqu'à ce que la totalité de notre tricot ait atteint 40 cm de hauteur. Alors, j'ai atteint la hauteur totale que je devais atteindre. Maintenant, en fait, nous allons, je vais vous montrer ici, commencer les diminutions afin de former l'arrondi de notre cocon naissance. Voilà. Donc, en fait, on va faire pour ça des diminutions progressivement afin de former cet arrondi. Nous allons commencer les premières diminutions. Nous commençons par tricoter 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles ensemble. Puis 12 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 2 mailles ensemble. À nouveau, nous allons recommencer 12 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble 3 fois de suite. Ce qui fera avec cette fois-là, du coup, 4 fois en tout que nous l'aurons fait. D'accord? Voilà, j'ai répété donc 3 fois. Pour indication, du coup, il doit vous rester ici avant la fin de votre rang 21 mailles. Ok? 21. Maintenant, vous faites 13 mailles. 1, 2 mailles tricotées ensemble. Il doit vous rester 6 mailles. Vous tricotez vos 6 dernières mailles. Hop. Voilà. Maintenant, nous allons tricoter un rang ou un tour, si vous préférez, entièrement à l'endroit, sans aucune diminution, et on se retrouve juste après. J'ai donc tricoté un rang ou un tour, si vous préférez, tout entier. Je tricote maintenant 6 mailles à l'endroit.
Voilà. Puis, deux mailles ensemble. Voilà. Ensuite, 11 mailles à l'endroit. Après mes 11 mailles à l'endroit, je tricote 2 mailles ensemble. Et je vais répéter à nouveau 11 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 fois de suite. Ce qui fera avec la fois que l'on vient de faire, 4 fois. D'accord? Hop, j'ai donc répété encore 3 fois. Si cela peut vous aider, là, jusqu'à la fin du rang, il me reste 20 mailles. Voilà, 20. Je tricote maintenant 12 mailles. Après les 12 mailles, hop, je tricote à nouveau 2 mailles ensemble. Puis je tricote mes 6 dernières mailles à l'endroit. Hop. Et pour le rang suivant, je tricote entièrement à l'endroit sans faire de diminution. Alors, après mon rang tricoté sans aucune diminution, on refait des diminutions. On commence par tricoter 6 mailles à l'endroit. On tricote ensuite 2 mailles ensemble. Puis on va tricoter 10 mailles à l'endroit. À nouveau, 2 mailles ensemble. Voilà. Je vais répéter 10 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble encore 3 fois, ce qui fait 4 fois avec la fois que l'on vient de faire. J'ai donc répété 3 fois 10 mailles et 2 mailles ensemble. Il me reste 18 mailles, 18. Je vais tricoter 11 mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble. Et je termine par 5 mailles à l'endroit. Je fais glisser le marqueur, puis le rang suivant ou le tour suivant si vous préférez. Je le tricote tout à l'endroit sans faire de diminution. Alors, j'ai donc tricoté mon rang tout à l'endroit. Je refais des diminutions. Je commence par tricoter 5 mailles à l'endroit. Ensuite, je tricote 2 mailles ensemble, puis 9 mailles à l'endroit. Après mes 9 mailles à l'endroit, je retricote 2 mailles ensemble et je vais répéter 3 fois. À nouveau, 9 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, ce qui fera 4 fois avec la fois qu'on vient à l'instant de faire. Pour vous indiquer, à la fin de votre rang, il devra vous rester 17 mailles. J'ai donc tricoté mes 9 mailles de mailles ensemble, il me reste 17 mailles. J'en tricote 10. Deux mailles ensemble et je termine mes 5 dernières mailles à l'endroit.
Je tricote maintenant un rang ou un tour si vous préférez entièrement à l'endroit. J'ai donc tricoté mon tour entièrement à l'endroit. Je reprends par 5 mailles à l'endroit maintenant. 2, 3, 4, 5. 2 mailles tricotées ensemble, puis 8 mailles à l'endroit. 1. Deux mailles tricotées ensemble, voilà. Je vais répéter à nouveau 8 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 fois de suite, ce qui fait 4 fois avec celle-ci, d'accord? Et on se retrouve juste après. Alors, pour information, il doit vous rester 15 mailles jusqu'à la fin du rang. Vous allez maintenant tricoter 9 mailles. Deux mailles ensemble. Puis terminer par les 4 dernières mailles à l'endroit. Hop. Ensuite, on tricote à nouveau tout un rang ou tout le tour si vous préférez, tout à l'endroit sans faire de diminution. Alors, j'ai tricoté tout mon tour tout à l'endroit. Je repars par 4 mailles à l'endroit. 2, 3, 4. Puis 2 mailles tricoter ensemble, ensuite 7 mailles à l'endroit, 7 mailles à l'endroit, on repique 2 mailles ensemble. Nous allons répéter 7 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 7 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 fois, d'accord? Ce qui fera du coup qu'avec la fois qu'on vient de faire, on l'aura fait 4 fois. D'accord? Il devra vous rester 14 mailles. Alors maintenant qu'il me reste 14 mailles, je tricote 8 mailles à l'endroit, puis 2 mailles ensemble. Voilà. Et je termine par 4 mailles à l'endroit. Au rang suivant, je tricote entièrement à l'endroit sans aucune diminution. Alors, au rang d'après, vous allez voir, c'est très simple. Vous tricotez 5 mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble et vous faites ça sur tout le tour. 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Sur tout le tour de votre rang. Alors nous terminons à la fin du rang par une maille tricotée à l'endroit. Hop. Et ensuite, nous tricotons tout le rang suivant entièrement à l'endroit. Alors au rang suivant, nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit. 2, 3, 4. 2 mailles ensemble. Et nous allons répéter ça tout le tour. 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Normalement, à la fin de votre rang, il doit vous rester une maille que vous tricoterez à l'endroit. On se retrouve à ce moment-là.
Il me reste bien une maille à la fin de mon rang. Je la tricote, je glisse mon marqueur et le rang suivant, je tricote tout à l'endroit sans diminution. J'ai donc tricoté tout mon rang sans diminution. Je fais maintenant 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et je répète ça sur tout le tour. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et à la fin de mon rang, il me restera une maille que je tricoterai à l'endroit. Donc je suis arrivée à ma dernière maille que je tricote toute seule à l'endroit. Je glisse mon marqueur et ensuite je tricote tout le tour, tout à l'endroit. Au rang suivant, nous allons tricoter. Hop, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, puis 2 mailles ensemble. Et on va répéter ça en fait sur tout le rang. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. À la fin du rang, il nous restera une maille à l'endroit qu'on tricotera toute seule. Et on se retrouve à ce moment-là. Ensuite, au rang suivant, on va tricoter tout à l'endroit, sans diminution. Au rang d'après, on tricote une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, et on répète ça sur tout le tour, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, et on finira par une maille tricotée à l'endroit. Alors, j'ai terminé mes diminutions. Je vais couper une bonne longueur de fil. Hop. Comme ceci. Tac. Le fil ici relié à ma maille, je vais venir le faire passer. Voilà, comme ceci, et en fait je vais venir récupérer mes mailles sur cette aiguille là et faire glisser sur le fil. Je vais commencer par ma première maille. Hop. Donc, vous voyez, le fil il est ici, et comme je suis en circulaire, en cercle fermé, je commence par la maille de l'autre côté, qui est la première maille du rang suivant à chaque fois. Si vous êtes sur aiguille droite, vous allez devoir commencer en piquant directement dans la maille où se trouve le fil. Mais sur aiguille circulaire, on peut commencer comme ceci. Et on vient récupérer toutes les mailles sur l'aiguille et on fait passer le fil. Je vais venir, voyez, faire glisser là, comme ceci. Voilà, et je continue de récupérer mes mailles. Voilà. Voyez, hop, ici, je vais venir tirer pour serrer. Alors moi, je vais passer une main à l'intérieur, ici. Comme vous pouvez le voir, on voit bien la forme, les diminutions que ça fait. On vient serrer, hein. On n'hésite pas à venir serrer. Comme ceci. Et en fait, je vais venir piquer entre deux mailles à l'opposé. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, j'essaie de positionner
à niveau de la caméra pour que vous puissiez bien voir. Je vais venir piquer à l'opposé de l'autre côté pour rentrer à l'intérieur comme ceci. Je vais retourner, hop, ma chaussette pour vous montrer à l'intérieur. Voilà, hop, ici, je continue de serrer. Je vais venir pour faire un petit nœud, mon fil il est là. Je vais venir piquer juste au-dessus ici, dans une petite bosse, voilà, pour faire passer mon aiguille. Et je vais passer deux fois dans la boucle. Une, hop, et deux, comme ceci. Et je vais venir tirer pour faire un nœud qui va ainsi bloquer, comme vous pouvez le voir. Et pour dissimuler mon nœud, en fait, je vais venir piquer entre deux. Alors, je vais repasser ma main à l'intérieur parce que c'est pas pratique sinon, je trouve. Voilà. Pour qu'on y voit plus clair. Et en fait, je vais vraiment venir faire passer mon fil comme ceci, ce qui va vraiment dissimuler le nœud. Afin que le nœud ne se voit pas, ensuite ne se sente pas, hein, que le bébé qui sera dans ce cocon d'emmaillotage ne sentira pas le nœud pour qu'il ne soit pas gêné, tout simplement. Voilà. Pour ça, je fais des zigzags en faisant passer un petit peu entre des mailles, comme ceci à l'intérieur, histoire que ce soit bien dissimulé. Voilà, et je vais venir couper mon petit bout de fil. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, sur l'endroit, c'est impeccable. Puis j'aime bien parce que les diminutions font un peu une forme d'étoile. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un j'aime, à vous abonner, à partager, ce qui m'encourage à continuer de vous proposer des tutos. N'hésitez pas, si vous tricotez ce cocon d'emmaillotage, à m'identifier Cassie Tricote pour que je puisse le voir, à le partager dans le groupe Facebook, tout ça, tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.